Après que McDo avait eu des problèmes d'hygiène dans son restaurant, McDo a vendu un sachet de frites avec une dent humaine. Si ça, c'est pas une idée de génie. Découvrez comment faire une frite de McDonald's grâce à Jean Bourré. On a besoin de peinture jaune, de merde radioactive, d'un découpeur avec 666 trous de balles au carré, et puis un cocktail Molotov. Ouais. C'est très simple. Allez dans un endroit radioactif pour ramasser tous les merdes qui se trouvent là-bas. Ensuite, prenez une bouteille de peinture jaune pour les foutre partout, même sur votre corps. Oui. Et ensuite, utilisez le découpeur de frites pour découper ces frites. Et il sera bientôt disponible sur notre boutique au prix de 666€ pour découper 666 frites. Et après que vous avez fabriqué le cocktail Molotov interstellaire, que je ne sais pas fabriquer, vous pouvez donner tout ça à McDo, ils s'en occuperont très bien. Et vous, Ah ouais, apparemment, ils ont annoncé qu'ils vont fabriquer des frites en version boisson. Ça, c'est pas génial comme idée. Et vous, vous allez vous donner à McDo. Dans une usine japonaise, donc Japon égale what the fuck, l'envoi 666. Mais non, assez là. Pourquoi je dois me transformer en drink frites? Putain de merde. Allez, c'est bon, fais pas ton mec fragile. Vas-y, bordel, j'ai pas que ça à foutre. C'est les autres à décharger, alors fais pas chier là. Et après que McDo a vendu un sachet de frites avec une dent, McDo diffuse des films de cul. Yeah. Si ça, c'est pas génial pour les enfants. Ça y est, j'ai commandé les premiers drink frites ce soir. Je vais pouvoir manger équilibré. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Hein? Pourquoi il y a du liquide rouge? Attends. Pourquoi je sens le sang humain? Bon, après tout, c'est McDo, alors il devrait bien le faire. Alors, j'ai goûté un petit bout. Chérie, j'en peux plus. Je dois tout décharger. Ouais. Putain, il y a des drink frites partout sur mon corps. Fuck! Comment je vais sortir avec une fille maintenant? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça, c'est le plus important. Mais le plus important encore, eh bien, c'est de partager la vidéo. Comme ça, vous pouvez la faire tourner à tout le monde. Et comme ça, tout le monde regardera mon visage avec mon masque. Ouh. Merde.